Salut à vous petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo Néphilim tuto niveau apprenti. On va partir sur la base de la base et commencer à répondre à la question qu'est-ce qu'un Néphilim? Vraiment pour niveau apprenti, du genre tes joueurs vont découvrir Néphilim, hop, le petit bloc qu'il ne faut pas oublier de leur dire pour la première partie. Donc je vous propose déjà de présenter qu'est-ce qu'un Néphilim par la définition, c'est un esprit désincarné d'énergie élémentaire, éternel et magique. L'aspect esprit désincarné permet bien d'expliquer aux joueurs que le Néphilim en lui-même, c'est une créature incorporelle. Voilà, c'est quelque chose qui flotte dans l'air, et vu que flotter dans l'air, ça lui réussit pas très bien, qu'il peut lui arriver pas mal de petites bricoles, il peut s'endormir, il peut en mourir, il va faire ce qu'on appelle l'incarnation, à savoir posséder un corps humain. Pas forcément avec le consentement de l'humain. En possédant ce corps, et ben ça le permet en fait d'acquérir un niveau d'existence corporelle et de pouvoir agir sur le monde avec ses petites mains. Quand il s'incarne dans un corps humain, tout l'aspect énergie élémentaire qu'il a en lui va modifier l'apparence du corps humain. C'est pour ça qu'on va appeler ça le corps possédé, on appelle ça le simulacre. Et l'apparence que prend ce corps possédé, on appelle ça un métamorphe, qui est très influencé en fait par les énergies magiques dominantes du Néphilim. On voit ça juste après. Par contre, il est bien à noter que quand le Néphilim s'incarne, c'est pas quelque chose qui va absolument détruire l'humain, l'âme de l'humain dans lequel il s'incarne. Et à quelques événements magiques peuvent produire en fait que l'humain qui est à l'intérieur reprenne le contrôle. Donc le Néphilim est alors en sommeil dans son simulacre, dans le corps de l'humain qu'il possède, et c'est l'humain qui est aux commandes de son propre corps. Donc généralement, là, l'humain, il panique un peu. Voilà. Quand on parle d'énergie magique, un Néphilim est constitué de cinq énergies élémentaires. Les quatre que vous connaissez bien, feu, terre, eau, air, avec la lune en supplément. On va revenir sur la symbolique de chaque énergie magique qu'on appelle des Ka, un Néphilim, voilà, on parle de Ka feu, Ka terre, Ka lune. Donc cet agencement, bah ces énergies, elles sont agencées dans un pentagramme. Voilà, c'est pour ça que sur vos fiches de perso, quelles que soient les éditions, vous avez des pentacles. Bah, tout simplement parce que c'est la forme de votre Néphilim. Ces pentacles ne sont pas agencés n'importe comment. Il y a en fait des principes d'opposition. Exemple, le feu. Sur ses côtés, il y aura toujours l'air et la terre, et il sera toujours opposé à l'eau et la lune. Et ça marche du coup pour toute la roue, puisqu'en fait, un élément va être l'élément dominant de votre Néphilim, là où il a beaucoup d'énergie. Bah, si on prend l'exemple du feu, un Néphilim qui a beaucoup d'énergie en feu, il va être considéré comme un Néphilim de feu, voilà, et être appelé un Pyrim. Il va choisir entre la terre et l'air, c'est lequel le second élément qui est le plus favorable, dans lequel il a le plus d'énergie, le troisième, et après c'est pareil dans ces éléments opposés, il va choisir lequel est le plus faible. Pour un Pyrim, par exemple, il pourra choisir d'avoir la terre en élevé et l'eau en faible. Tout comme il peut préférer l'air et la lune, ou la terre et la lune. Faites les combinaisons que vous voulez. Les pentacles sont tout le temps organisés ainsi. Donc le feu, vous appelez un pyrim. La terre, vous appelez un faérim. Enfin voilà, vous avez des petits noms pour chaque. Votre MJ vous dira, c'est pas très. Voilà, ça fait partie du petit vocabulaire sympathique de Néphilim, mais c'est pas fondamental pour comprendre ce qu'on joue. Par contre, ce qui peut être intéressant pour bien comprendre les éléments, c'est que les éléments, ils ont un goût, une tonalité, une thématique. Le feu, c'est l'action, la confrontation. Ça serait une caractéristique à ADD, le feu, c'est la force. L'air, ça va être la compréhension, l'intelligence. La terre, bah, c'est à la fois tout ce qui est soin, mais c'est ce qui est la résistance, ça serait la constitution. L'eau, c'est tout ce qui est l'adaptation. Donc l'eau, c'est aussi bien la vapeur, la glace, le liquide. L'eau, c'est l'adaptation, c'est la dextérité. Et la lune, c'est voilà, la tendance à la mélancolie, au rêve, au mensonge. La lune, ça serait le charisme. Voilà, tout simplement. Les petits onirimes, je les aime bien. Le nom des néphilim de lune.
Oh, attends, pauvre chat, méchant chat. Voilà. Désolé pour cette interruption, mon gentil petit chat est venu me prévenir qu'elle avait envie de sortir après avoir gerbé ses croquettes toutes dans la cuisine. Donc, on en était à, ah, bon, résumons, esprit désincarné, mon Néphilim est une créature incorporelle qui prend possession d'un humain. Elle est constituée de cas éléments, l'un dominant sur tous les autres, marquant beaucoup son apparence, son métamorphe, et ses pratiques magiques sur lesquelles nous allons arriver. Mais chaque Néphilim est constitué de l'intégralité des cas éléments basiques. Feu, terre, eau, blablabla, lune. Ensuite, mon Néphilim est éternel. Non pas qu'il soit immortel, non, vous pouvez moult manières de mourir dans Néphilim. Mais par contre, le temps n'a pas de prise sur vous et vous êtes là depuis fou le début de l'humanité. Par contre, vous n'êtes pas éveillé constamment. Vous passez des longues périodes de sommeil dans vos prisons qu'on appelle des stases, qui sont à la fois des prisons et des réserves d'énergie magique. Votre stase, ça va être un objet généralement manufacturé, physique et très vieux, dans lequel vous allez dormir quand justement vous n'êtes pas en éveil. Est-ce que ces périodes où vous êtes en éveil sont des vieilles périodes de l'histoire? Donc un Néphilim peut avoir connu beaucoup de périodes d'éveil ou peu. Il peut se souvenir de certaines, mais pas de toutes. Ce qui va permettre en fait en jeu bah, à la fois d'avoir des vieilles connaissances passées, d'avoir fait des choses du temps des pyramides, de l'Antiquité ou de Napoléon, ou de pouvoir avoir ce qu'on appelle un effet mnémos, c'est-à-dire un flashback Highlander. Voilà, vous arrivez quelque part et là tout d'un coup, vous vous souvenez. Et en plus, les Néphilim, quand ils se souviennent, ils revivent les choses. Ce qui va être en fait une excuse scénaristique pour pouvoir vous faire jouer dans le passé. Petit outil assez pratique pour pouvoir jouer à n'importe quelle époque dans Néphilim. Voilà, ça c'est l'aspect éternel des choses. Et qui plus est, bah, vous avez des compétences normales, des compétences échelle humaine. Par exemple, bah, vous pouvez savoir conduire un char. Parce qu'à une époque très très lointaine, bah, vous avez appris à conduire un char. Vous pouvez être balèze en combat à l'épée parce que dans des incarnations précédentes, vous avez été un sabreur. Ça, c'est l'idée générale. Par contre, comme on l'a souligné, vous êtes aussi des créatures magiques. Le Néphilim est magique sur tous les plans. Par contre, le point intéressant à souligner, c'est que vous allez avoir accès à trois sciences occultes. La magie, qui est ben, en fait la magie la plus simple à appréhender pour nous humains, c'est ton énergie élémentaire, ton cas d'un élément, va solliciter l'énergie élémentaire qui est autour de lui. Et puis réussir à produire un effet magique lié par analogie à l'élément. Exemple, tu veux donner des cauchemars à un humain, tu vas utiliser la lune. Tu veux balancer de la boule de feu, tu vas utiliser le feu. Voilà. C'est dans le genre d'idée. Tu veux pouvoir guérir quelqu'un, tu vas utiliser la terre. Et puis bah, vous avez donc des sortilèges. Toutes les sciences occultes sont organisées en trois cercles, qui sont des niveaux de maîtrise de plus en plus poussés. Ça, c'était la magie, simple à comprendre. Ensuite, nous avons la cabale, moins simple à comprendre. La cabale va vous permettre d'invoquer des créatures qui se situent dans les mondes de cabale. Les mondes de cabale, ce sont des univers parallèles magiques qui existent au sein des cas. Alors, après, il y a débat, est-ce que ces créatures prennent forme par l'invocation des Néphilim, est-ce qu'elles existent en elles-mêmes, est-ce que ce sont des résonances dans les éléments? Voilà, ça fait partie des quêtes à découvrir, des interrogations à avoir. Il n'empêche que vous pouvez invoquer des créatures de là, et à haut niveau, vous allez même pouvoir aller dans ces mondes pour, bah, pour faire des quêtes, rechercher des choses, rencontrer des PNJ très 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 forts. Et devenir en fait chargé de sapience, de sagesse, de savoir occulte. Et la troisième science occulte, la plus récente, c'est l'alchimie, qui est véritablement l'éveil en fait de la magie dans la matière. Pour ça, vous avez besoin d'un laboratoire et vous allez faire des liquides, des pierres, des genres de trucs. Bon, ça a d'autres noms, à Néphilim, hein. On va parler de cinabre, d'ambre, mais bon, voilà, vous allez créer en fait du matériau magique avec lequel vous allez pouvoir utiliser des formules. Voilà. Donc, grosso merdo, dans son effet pratique, la préparation n'est pas la même que la magie, mais tu vas te créer ton petit stock de matériel pour pouvoir utiliser des formules, et au moment où tu vas utiliser tes formules, tu vas faire un effet magique. Tout simplement.
Par contre, bien évidemment, bah, l'alchimie demande d'avoir accès à un laboratoire d'alchimiste. Voilà. Ensuite, socialement, comment que ça se passe pour les Néphilim? Alors, vous avez déjà les formes d'organisation les plus basiques, qu'on va appeler les fratries, à savoir que les Néphilim vont avoir deux tendances, soit se réunir que par même élément, qui est généralement pas la proposition faite pour les personnages joueurs, pour les joueurs, ou ils vont se réunir en fait en essayant de représenter l'ensemble des éléments. C'est généralement comme ça que sont constitués les groupes de joueurs. Les groupes monoélémentaires, il y en a beaucoup dans les PNJ, hein, entre autres certains qui ont marqué l'histoire. Ce qui est proposé aux joueurs, c'est vraiment plutôt bah, d'incarner des éléments différents, parce que c'est plus diversifié à table, c'est plus agréable pour eux qu'avoir des persos qui se ressemblent, hein, tout simplement. Ça, c'est l'unité de base. Ils ont tendance à voilà, à se regrouper. Ensuite, dans la grosse structure sociale, c'est les 22 lames du tarot. Il y a très longtemps, hein, oulala, je lag à mort, un prophète Néphilim, qu'on appelle Akhenaton, a créé 22 quêtes qui permettent d'arriver à l'illumination cosmique, qu'on va voir juste après. Et ces quêtes, il les a inscrites sur les lames du tarot, lames qui sont, enfin, qui pour les Néphilim, sont les 22 lames des arcanes majeures, et qui sont connues au niveau des humains comme les 22 lames du tarot. Donc ça part effectivement du mât, ça finit au monde, donc de 0 à 21, et chaque en fait arcane a son esprit, sa manière d'aborder les choses, tout simplement. Le pape a une tendance à considérer que les Néphilim sont des créatures supérieures et doivent être vénérées par les humains. Voilà. L'empereur est intéressé par le pouvoir matériel. La roue de la fortune, ça regroupe un peu les scientifiques magiques des Néphilim, et eux, ils sont vraiment poussés sur l'étude des cas, des conjonctions astrologiques. C'est des chercheurs. La tempérance, c'est un peu les soigneurs. Voilà, il y a pas mal de petits chemins comme ça. En termes d'objectifs, je vous ai dit que c'est l'âme, bah en fait, elle cherchait l'illumination. C'est l'objectif de base donné à peu près à tous les Néphilim. C'est de retrouver l'état qu'on appelle l'Agartha. En début de jeu, tu sais vraiment pas grand-chose là-dessus, à part que c'est la grosse légende qui court sur voilà, même le Néphilim le plus basique qu'on a entendu parler. Et ça serait en fait reconquérir un statut qui fait que vous pouvez vous passer de simulacre. C'est-à-dire que vous pouvez survivre juste en tant que créature désincarnée qui flotte dans les airs, et vous n'avez pas besoin de vous réfugier dans des corps humains. Parce que ça, c'était votre état il y a fort longtemps. Malheureusement pour vous, une météorite en provenance de Saturne s'est écrasée sur la Terre. Cette météorite porte un cas, c'est-à-dire un élément qui n'était pas connu par vous, qui n'était pas présent sur la Terre, qu'on appelle l'orichalque, et qui réagit aux autres éléments un peu comme de l'antica. C'est-à-dire il y a de l'anéantissement mutuel. Depuis l'arrivée de cette météorite sur la Terre, tout il a été pollué, en plus les humains sont révoltés, ils sont venus vous taper, enfin voilà, vous avez vécu ce qu'on appelle la chute, et depuis vous n'avez plus votre état, un Néphilim avant qu'il soit marqué par l'orichalque, qu'on appelle ça un caïm, et quand vous étiez caïm, bah, vous n'aviez pas besoin de vous incorporer dans un humain, vous étiez une créature magique désincarnée qui flottait, qui faisait un peu ce qu'il voulait grâce à sa magie. Mais non, vous êtes coincé, enfin vous êtes obligé d'aller dans des corps humains, sinon bah, vous ne le vivez pas bien, sinon vous êtes en danger de mort. Voilà, la possession, c'est pas un côté on est des méchants, on veut posséder les humains, c'est ça où on crève. Donc les Néphilim sont un peu obligés. Mais beaucoup rêvent justement de pouvoir se libérer de cet état de fait et de reconquérir leur ancien statut de créature élémentaire qui pouvait voilà, se passer d'incarnation. Cette quête, elle est souvent symbolisée par Agartha. L'autre grand poncif qu'on entend souvent dans Agartha, c'est l'obtention du seul élément qui vous manque, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Néphilim qui cherchent à intégrer l'orichalque dans leur pentacle, à savoir le casse-soleil, qui est le propre des êtres vivants corporels de base. Toutes les bestioles en ont, mais il est véritablement présent et développé chez l'humain. Voilà, donc il y a fort longtemps, vous cherchiez à vous en emparer, c'est ce qu'on appelle le sentier d'or, mais tout ça nous amène à d'autres vidéos pour d'autres tutos, parce que c'est un peu trop long à raconter pour un niveau de base. L'Agartha, qu'est-ce que c'est? Soit c'est réussir à être illuminé
tellement illuminé et puis plein de puissance et puis de connaissances que je pourrais me passer de l'incarnation d'un corps humain, soit c'est la réalisation du rêve de réussir à intégrer le casse-soleil dans son pentacle, et donc passer d'un voilà, d'un pentacle à 5 branches à un pentacle à 6 branches, qui s'appelle donc plus un pentacle, et de posséder ce cas qui est fort séduisant pour vous, voilà, tout simplement. Ensuite, on va finir sur c'est quoi l'ennemi principal pour des jeunes Néphilim, c'est les Templiers. Voilà, des groupes humains qui connaissent l'existence des Néphilim, il y en a beaucoup. Les quatre principaux sont nommés les Arcanes mineurs, et celui que des jeunes Néphilim ont une tendance à vite rencontrer, ce sont les Templiers. Les Templiers de notre histoire ésotérique à nous, dans l'idée qu'en fait, eux, ils sont au courant que les Néphs existent et qu'ils les chassent parce que bah, ils aiment pas trop ça. Voilà. Et puis pour en savoir plus sur les Templiers, bah, soit il faut jouer, soit il faut jouer. Voilà, il faut être un Néphilim un petit peu plus qu'apprenti. Donc ce sera tout pour cette vidéo apprenti. On viendra sur qu'est-ce qu'un Néphilim avec le niveau compagnon, qu'est-ce qu'un Néphilim avec le niveau maître. Parce que, bah, y a des secrets et des choses à apprendre, voilà, tout simplement, sur ne serait-ce qu'un Néphilim. Sur ce, je vous laisse, salut à vous et jouez bien!